décidez de changer votre vie et vous faites les choses pour pouvoir changer votre vie et il n'y aura aucun problème. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Tu connais la chanson, d'accord? Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être motivé, déterminé à créer ton business en ligne et pouvoir être libre géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux. T'as tout en description de toute façon si jamais tu veux aller plus loin. Et maintenant j'ai envie de te dire, passons directement au sujet de la vidéo. Comment créer un business en ligne lorsque l'on est une femme? Ok, alors je sais que en ce moment, c'est le sujet tendance un petit peu, hein, le féministe, tout ça, etc. Les femmes se sentent pas égalitaires. Je dis pas toutes les femmes disent ça, mais c'est un petit peu le discours de certaines féministes. Et aujourd'hui, j'aimerais passer un message à toutes les femmes pour leur dire que c'est possible de pouvoir créer aussi votre business en ligne. Je veux dire, il n'y a aucune différence. Et le même discours que j'ai, que ce soit que tu sois black, que tu sois noir, blanc, noir, jaune, vert, tout ce que tu veux, c'est que en fait, tu es responsable de ta vie. Tu es 100% responsable de ta vie. Ok, donc il n'y a personne qui est contre toi. Il n'y a personne qui va t'empêcher de pouvoir créer ton business. Surtout dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui va t'empêcher. Encore, tu peux te plaindre dans le salariat, quand tu fais partie d'une minorité, d'être mis à l'écart, etc. Tu peux chercher ça et même ça, les gars, je ne vous autorise pas à le faire. Arrêtez de vous comporter en victime. Les victimes, ils n'ont jamais rien. Les victimes, ils se font piétiner et c'est tout ce qu'ils ont. Maintenant, quand je dis de ne pas se comporter en victime, c'est quoi? C'est de prendre possession de ta vie et tout. Tu es 100% responsable de ta vie. Donc aujourd'hui, j'avais vu une vidéo où en fait, on calculait la moyenne des salaires des hommes et disait que les hommes touchaient beaucoup plus que les femmes. Mais dedans, c'est sûr que si jamais tu mets les salaires, tu mets tous les entrepreneurs, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, tous les gars là, qui sont super lourds, c'est normal que les filles, on les déchire à chaque fois au niveau des salaires. Tu vois, c'est juste du bon sens en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu veux un bon salaire, si jamais tu es une femme, tu regardes cette vidéo, si tu veux un bon salaire, il n'y a pas d'autre meilleur chemin que l'entrepreneuriat. Tu vois, parce que dans cette vidéo que j'avais vue qui parlait un petit peu des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est toujours un truc de en mode employé, ah oui, tu veux quémander un salaire, tu veux quémander un autre salaire, tu veux gagner plus ou je sais pas quoi. En fait, si jamais tu veux être respecté, quelle que soit la minorité que tu viens, et les femmes, bon, je pense pas que ce soit une minorité, mais quel que soit l'endroit d'où tu viens, si jamais tu veux quelque chose, juste va le chercher et prends-le. La façon de créer un business en ligne en tant que femme, c'est tout simplement de le faire comme un homme. Ça veut dire, prends la formation qui est offerte. Si jamais tu as une passion, tu es coach, tu es expert de quelque chose, d'accord, coach, thérapeute, tu as une passion. Moi, je l'ai fait par exemple le saxophone, mon premier business en ligne. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu as la formation dans le commentaire épinglé où je te montre vraiment comment créer ton business en ligne. Et tu as la masterclass aussi où je te montre comment moi j'ai fait pour pouvoir faire 20 000 euros en une semaine et comment mes clients ont fait pour pouvoir avoir des résultats. Et dans mes coachés, j'ai plein de femmes d'ailleurs. J'ai plein de femmes et elles ont du succès. C'est pas magique en fait. C'est pas genre oh, waouh, c'est un truc de ouf. Tu vois, je fais pas de différence homme-femme. Elles appliquent les stratégies, si elles les font, elles ont des résultats et c'est tout, tu vois. Donc voilà, petite vidéo pour dire, voilà, arrêtez de vous mettre en mode victime. Alors là, c'est les femmes, du coup, je fais la vidéo sur les femmes, mais arrêtez de chialer, quoi, en fait. Et c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, mais voilà, ça sert à rien de se plaindre, en fait, ok. Et c'est pareil, que tu sois noir, que tu sois quelle que soit la minorité que tu es, arrêtez de chialer, les gars, arrêtez d'être en mode victime. Décidez de changer votre vie et vous faites les choses pour pouvoir changer votre vie et il n'y aura aucun problème. Ok, moi j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai des parents divorcés, j'ai perdu mon meilleur ami d'une balle dans la tête. Je veux dire, on peut en citer des trucs. Si on veut se mettre en mode victime, c'est facile de le faire. Mais à quoi ça sert? Est-ce que ça va t'aider à avancer? Non, tu vas tirer la tosse, les gens vont dire oh le pauvre, oh, oh là là le pauvre, oh, t'as vraiment pas de chance dans la vie. Et après? Ça va faire quoi après? Ça va te permettre d'avoir la vie que tu veux, ça va te permettre de machin. Non, ça va satisfaire ton ego. Tu vas dire, ouais, c'est vrai, tu vois, tout le monde me comprend, c'est normal que je ne réussisse pas ma vie comme je voudrais. Bah oui, t'as vu toutes les galères que je vis, t'as vu? Il est mort. Ah, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien du tout. Donc du coup, les femmes, si vous voulez créer votre business en ligne, vous avez tout en description. Vous n'avez plus qu'à passer à l'action et c'est tout. Allez saisir ce que vous voulez, ok? Et c'est pareil pour les autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es dégoûté, parce que t'es féministe et t'es vénère. T'étais pas d'accord avec moi parce que on est sur le truc patriarcal, ok? Et pour les autres qui ont compris, ils vont passer à l'action, ils auront des résultats pendant que les autres, ils continuent à faire des manifestations avec les femmes qui mettent leur sein à l'air. Aucun sens. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.